petite précaution de sécurité, je ne mettrai pas mes lentilles aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi tout le long de ce tuto. On retire ses lunettes, J'ai le cerf volant aujourd'hui. Ah, ça y est. Ok, donc cette base-ci, elle sert de, donc de base. Faire écran entre votre peau et votre make-up. Voilà, donc voilà, c'est bien. Il y en a assez. On évite les dents. Et avoir un teint bien lisse. Je suis pas encore sèche. Faut sécher. Voilà. Donc cette base, c'est une 2 en 1. Vous allez vous en servir en base, mais également en fixateur à la fin. Pour votre make-up tienne toute la journée. Donc aujourd'hui, on va partir sur les fonds de teint stick. Donc, on en a plusieurs sortes. Aujourd'hui, ça va être celui-ci. D'accord? On en a en spray, on en a du liquide, on en a en sérum. Voilà. Donc, après, tout dépend de votre type de peau. Donc, on y va. On va peut-être prendre le pinceau. Voilà, pour éviter d'utiliser trop de matière. Nasser. Voilà. Et on y va. On étale sur le visage en faisant des petits cercles un peu partout. Voilà. Donc là, on va faire un contour. Pareil, on met sur le pinceau. Hein, on va éviter d'en mettre deux trop. Le but, c'est de faire au moins 6 mois avec ces produits. Stop! Il y en a assez. On va se redonner du relief puisqu'on a unifié son teint. Donc là, et on va faire un petit régime sympa. On va creuser les joues. Et si vous avez un double menton qui pendrouille, et ben c'est pareil. On va bien en mettre en dessous. On en met un petit peu sur le front. Chaque côté des tempes. Voilà, un petit peu comme ça. De l'autre côté. Et sous le menton. Voilà, si ça pendrouille un peu. Alors, si comme on est très sensible, on n'aime pas qu'on touche à la glotte, c'est un petit peu pas évident, mais on s'y fait. Laisse ton pinch au peu, là, parce que... Là, quand même, voilà, comme quoi, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein, dans les cheveux aussi, tiens, en passant, c'est bon, ça va teinter la mèche blanche. Un petit peu la tempe gauche, je crois qu'il y en a un petit peu beaucoup, là, on va le remonter sur le front. Non, gauche, j'ai un problème, là. Sur le front, j'ai un grand front. Voilà, j'ai bonne mine, là, je pense, hein, je ne vois rien, mais ça doit être top. On fait tout stick aujourd'hui, d'accord? C'est possible de faire un teint complet avec les sticks. Là, on en prend un plus clair. On ouvre le bouchon. Voilà. Et un deuxième bouchon. Voilà. Stop, il y en a assez. Et on va venir sous les yeux éclairer un petit peu. Là, comme ça, en dessous. Voilà, pour celles qui ont des cernes ou qui veulent illuminer un petit peu. Et on va venir faire une petite zone de lumière. Donc, un petit peu sur... On fait une zone... Comment expliquer? On part du front sur le nez et on descend jusqu'au menton. Voilà, c'est pas compliqué. J'ai une larme à l'œil. Faut que je m'essuie ma larme. Voilà, c'est un peu... Comme on a fait un teint léger, très discret, on va le fixer. On a oublié les lunettes, mais c'est pas grave, ça sera fixé par la même occasion. Et par contre, on va pouvoir se mettre un beau petit rouge à lèvres bien pétant. Oh le bordel. Le rouge. Si, allez, on y va. Qui est un rouge bien pétant. Bon, on peut y aller. Non, avec les doigts. Oh, ouais, pourquoi pas, c'est une façon de faire. On essaie de pas. Pas trop. Voilà, on estompe un peu. Ouais, voilà. Oui, aussi, on peut. Ça, voilà, ça fait. Ça, c'est très à la mode. De voir. Je sais plus comment on dit. Bref, c'est un bon. Je vous retrouve demain pour un prochain tuto un peu moins, comment on va dire, un peu plus concentré. Donc ça, ben oui, coucou Angélique, ça c'est de votre faute, c'est les bulles d'avant-hier, ça va, hein. Il y a des restes. Si vous avez des questions, venez me voir en MP. Si, appelez-moi. Si vous voulez un atelier cocooning spécial soin ou make-up, vous pouvez m'appeler et je me déplacerai. Je suis en Picardie, hein, je précise. Hein. Ça va, on était bien, on était joyeuses, on passe des beaux moments en atelier. Il faut le tuto des maquillages après.
Ouais, voilà. Une seule, hein. D'habitude, j'en prends qu'une moitié, on fait tout le visage avec. Mais là, on va pas chercher ni le ciseau, ni tout objet tranchant aujourd'hui. Voilà. Donc, on a la lingette et on y va. On enlève les lunettes avant. Et on y va, on débarbouille. Oh, on étale bien le rouge à lèvres jusqu'en haut, hein. Ouais, mais voilà. Je perds mes lunettes, ça y est. Voilà. Voilà, je crois qu'une complète, ça sera pas trop. Hein. Encore, encore, il y a encore plein de rouge à lèvres. Je le vois sur mes lunettes. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de couper le live. Si j'en ai plein les mains. Et j'en ai même quatre. Des gros bisous à tout le monde.